parce que j'ai entendu un bruit dans mon jardin. Ça va, je te dérange pas? Je suis venu aider une amie parce que... Je suis venu aider une amie parce qu'elle est enfermée chez elle, je crois qu'elle a fait un malaise. Tu es venu aider une amie? Tu me prends pour un con quoi, vas-y descends. Avoue, sinon j'appelle les flics, sinon tu vas rester avec moi, je te le dis moi. Je suis à côté de... du mec qui a voulu me cambrioler, hein? On va dire ça comme ça. Je vais le garder pendant une semaine. Oh! Oh! Bah. Impeccable frérot, tu es magnifique. Salut les gars, je viens de me réveiller. C'est le troisième jour de confinement avec l'autre Monigari. Du coup, je vais voir s'il est réveillé. S'il n'est pas réveillé, je vais le réveiller à ma façon comme d'habitude, mais je vais le réveiller en lui versant de l'eau sur la gueule. Et aujourd'hui, j'ai encore des trucs à faire chez moi. Chez moi, il y a toujours des choses à faire. Je vais remplir d'eau cette bouteille, d'accord? Je vais rentrer dans la chambre là-bas et je vais lui verser de l'eau sur la gueule jusqu'à ce qu'il se réveille. Voilà, la journée va bien commencer pour lui, je vous le promets. Ouais, il y en a assez là, je pense. Voilà, et on va lui verser un peu d'eau sur la gueule. On va rentrer avec la bouteille d'eau. Attends, je vais allumer la lumière. Voilà. Oh, il dort avec le pouce. Oh maman, tiens, on va le réveiller. Avec le pouce, il dort. Attends, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, réveille-toi, oh! C'est l'heure de se réveiller là. Allez! Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Tu sais, j'ai un prénom. Oui, je sais que j'ai un prénom, je sais. Non, ma mère, j'ai même trois prénoms. Ouais, eh ben, et alors? Tu peux m'appeler, tu peux me réveiller normalement. Pourquoi tu suces ton pouce? Je suce mon pouce parce que c'est comme ça, j'ai toujours sucé mon pouce, mec. Ah, t'es bizarre, frère. Je préfère sucer mon pouce qu'autre chose. Ah, t'es un cambrioleur, tu suces. Ah, je sais pas, je comprends pas. Pourquoi tu me réveilles avec de l'eau? Un cambrioleur qui suce son pouce. Parce que j'ai envie, frérot, j'ai envie, c'est comme ça. J'ai envie de te réveiller comme ça. Pourquoi tu m'as volé, toi? Parce que tu as Bambi. Eh ben moi, je te réveille comme ça parce que j'ai envie. Oui, s'il te plaît, laisse-moi me réveiller tranquille, je vais me lever, en fait, je vais aller. Oui, ben réveille-toi, lève-toi. Tu vas faire la douche tranquille. Hein? Laisse-moi tranquille. Allez. Oui, vas-y, ça va. Allez. Bon, les gars, comme d'hab, il est à la douche. Je lui ai mis le sac avec ses habits à l'intérieur. Je vais rentrer. Ah, qu'est-ce que tu fais? Ça va, je rigole, détends-toi frérot. Ferme. Je rigole, ça va, je vais pas rentrer, qu'est-ce que tu m'as pris? Pour qui? Je vais te voir à poil. C'est juste pour te dire. Ah, écoute-moi. Ouais. C'était juste pour te dire. J'ai mis ton sac là avec les habits comme d'habitude, tu commences à avoir l'habitude maintenant. Ça va. Je l'ai mis là, il y a le sac dedans, tu verras. Il faut que tu ressortes avec. Et après, je vais te faire une petite tâche ménagère. Et si tu l'as fait, comme d'habitude, tu auras les habits. Et voilà, ok? Allez, bonne douche, hein? Ouais, allez, ciao! Les gars, quand vous allez le voir sortir de la douche, je vous promets, vous allez rigoler. Je vous jure que vous allez rigoler. Oh, bon, bah, t'es magique. Ah, frérot, t'es magique! Arrête de rigoler. T'es trop beau! Ouais, j'arrête de blague de bille. C'est le pire en pire, je suis pas d'accord, frère. Comment ça, tu... Père Noël, on est en avril, tu me fais lancer Père Noël, je vois même pas où il est le rapport. Eh oui, et alors, quel rapport de quoi? Toi, tu cambries. Quel rapport? Je suis avec les habits de Père Noël, gros. C'est n'importe quoi. Donne-moi des habits normaux, s'il te plaît, je vais pas faire ça. Tu te donnes des habits de Père Noël quand t'auras fini. Quand t'auras fini, je donne des habits. Ça va renégocier. Après le chemin, aujourd'hui, je comprends pas. Qu'est-ce que tu vas me faire faire encore? Je comprends pas. Eh ben, je vais te montrer. Viens, suis-moi. Allez. Je comprends pas pourquoi tu veux me faire couper du bois là. T'as même pas de cheminée, mec. T'as pas de cheminée. T'es le Père Noël, mec, hein. C'est comme ça. Mais là, moi, c'est du bois. Ok.
Du coup, je coupe ça avec quoi? Satan, il me faut une hache. Bah, tu vas couper ça avec avec une hache? Par contre, ne me tape pas avec la hache, hein. Non, non, ça va, tu savais, si j'avais voulu vraiment te faire du mal... Arrête, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu crois que je délire avec ça? Pas envie non plus que tu mettes ma tête sur internet, donc même avec un bazooka dans les mains, je ferais rien, quoi. Pas dire qu'il reste pas beaucoup de temps pour en tenir. 4 jours. Donc on va couper du bois, y'a pas de problème. Tu vas couper tout le bois, hein? Donc faut que je coupe ça comment, en 4, hein, comment ouais, en 4, en 2, coupe-le, frérot. D'accord. Bah allez, c'est parti alors. Allez, mon ami. Coupe. Oh, t'as la force au cul, t'as. Oh, t'as la force au cul, frérot. Qu'est-ce que c'est? Mais il arrive pas. Mais. Oh, tu arrives pas à couper ou quoi? C'est possible. Eh oui, c'est possible, arrête de dire n'importe quoi, vas-y, coupe. C'est impossible. Mais oui, c'est possible, arrête de dire n'importe quoi, s'il te plaît. Impossible. Ah, c'est impossible, j'ai dit. Et comment il faisait avant? Il coupait avec quoi? Il coupait bien avec une hache, non? Sans déconner, allez, vas-y, en bois, frère. Voilà, en bois. Vas-y, montre à tout le monde là que tu en bois la sauce, vas-y. Eh, qu'est-ce que tu fais, frère? Eh, t'abuses toi aussi, c'est ma vie. Il me dit pas. J'ai trop de force. Je retire ce que j'ai dit, hein. T'avais des sous, de toute façon t'en as pas avec, hein. Putain, regarde ça. C'est normal ça? Je sais pas, une tronçonneuse, n'importe quoi. T'as pas une tronçonneuse? Tu as une tronçonneuse? Oui, j'ai une tronçonneuse, ça va. Descends d'un étage par contre, tu m'énerves. Bon, je suis allé prendre la tronçonneuse, hein. On n'a pas le choix. On va lui donner la tronçonneuse, les gars. Avec la petite rallonge, tronçonneuse électrique. Et il va me couper tout le bois. Vous inquiétez pas. Oh putain, tu sais t'en servir ou pas? Oh, tu sais t'en servir la tronçonneuse? Ah, j'en ai vu des vieilles, mais comme toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Oh frérot, si tu arrives pas, coupe les petits morceaux. Hein. Commence par les petits morceaux. Après, faut que tu balayes par contre, hein, parce qu'il y a de la sciure partout là. Ah, parce qu'en plus, après, il va falloir que tu balayes. Ah, oui, faut que tu balayes, encore heureux. Encore heureux. Tu crois que tu vas me laisser le bordel? Il va se couper un bras, regarde. C'est bon, je peux arrêter. Allez, vas-y, arrête, c'est bon. C'est bon. Ça se voit que tu arrives plus là. Ça t'a plu un peu de couper du bois? Non, ça m'a pas plu, non. Mais non, par contre, j'aimerais bien avoir mes habits, s'il te plaît. Mais je vais te donner. Je vais te donner juste mon savon. Je dirais que je te les donne pas, les deux. Dans le doigt, avec un truc là qui marche pas là. Avec ta merde. Un coup, c'est la hache qui s'en bat. Après, c'est ça qui marche à moitié. Bon, tu en fais pourquoi un bûcheron? Tu te poses pas des questions? C'est quoi? Tu es une hache, ouais, c'est du bois à Noël, mais là on est pas à Noël, on est en avril, frère, on a dépassé pas. Et alors? Couille, et non, je pars pas un couille. Bon, allez, donne-moi mes habits, s'il te plaît. Mais d'abord balaye. T'abuses, sérieusement. Attends, tu viens, tu rentres chez moi, frère, et en plus tu me j'abuses parce que je te fais. Oui, j'ai voulu rentrer chez toi, d'accord, oui, j'ai compris. Ma foi, et tu veux quoi? Tu veux pas que je te. Taille. Hein? Tu veux pas que je te fasse des cadeaux? Tu veux pas que je te. Attends, déjà je t'héberge, je te. Oh, tu me fous, toi. Et ouais, la merde qu'il y a, bah, frère, balaye. Voilà. C'est un fou, lui. En plus, il marronne, frère. Vous voyez, les gens, ils sont. C'est un truc de fou, les gens, comme ils sont. Mais plus jamais je cambriolerai de ma vie. Plus jamais j'essaierai de rentrer chez quelqu'un de ma vie, encore moins chez toi, mec. Eh ben voilà, tant mieux. Ça te sert de leçon. Tant mieux, eh ben voilà. Tant mieux. Tu vas faire quoi? Tant mieux. Je vais rester confiné chez moi. Allez, s'il te plaît, les habits. Oui, tiens, voilà tes habits. Mais c'est mes habits. Pas tes habits. On peut arrêter de filmer, s'il te plaît. J'ai fait mon travail. J'ai mes habits. Ouais. C'est bon, on peut aller manger. On peut aller. Ouais, on va aller faire manger. Caca, pipi. Oui, fais ce que tu veux. Tranquille. Arrête de me filmer maintenant, mon ami. Vas-y, me donne. Pas d'ordre. Voilà, bon abord. Va dans ta cellule, ouais. Allez. Oh, t'as vu. En plus, tu me cries dessus. Allez, prends la confiance, cet enculé.